Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau grattage. Tenez-vous, là, il y a 15 jours, on avait gratté deux mots croisés à 10 balles, enfin 10 euros, et j'étais bredouille. Donc aujourd'hui, on va se gratter 10 pactoles pour une mise de 20 euros. Donc ils vont de 69 à 37. Donc du coup, non, ils sont mélangés. Allez, hop, je vous les passerai comme ça. Hop, je vous zoome ça comme ça, hop. Dites-moi vos pronostics, là, tout de suite, à votre avis, je vais faire combien? Moi, je sens bien le bredouille, le pactole. Je sais pas, je le gratte parce que vous me le demandez souvent, mais j'aime pas le pactole. Je sais pas, j'aime pas. Je l'aimerais si un jour je gagne, hein, mais c'est pas le cas. Allez, on joue avec les numéros 21, 14 et 11. 38, 17, je vais peut-être gratter comme ça. Je gratte avec une pièce de 5 francs, on reste dans les francs, hein. En ce moment, 25, 25, 16, 9, non, c'est pas ce qu'il nous faut, 31, je vais peut-être gratter comme je faisais tout à l'heure, tant pis si on découvre les gars, c'est pas grave, 13, 48, 12 et 31, donc 11, 14, 21, a priori, il n'y a rien, mais si je me trompe, vous me le direz dans les commentaires. Tac, on passe au deuxième. On joue avec le 31, le 34 et le 12. Le 12, j'aime bien. 33. Ah, ben on a le 12. Allez, hop. Tac. Le 12, chez moi, ça apporte un petit peu bonheur. 38. 45. Ben, je spoil le gain, même si je pense que c'est 2 euros. On va quand même pas se le spoiler. 17, 13, pourtant il y avait le 13, hein, 42, vous savez que le chiffre 13 n'aime pas du tout. Et 16, alors on a bien 2 euros, c'est ça, 2 euros, tac, gagnant, hop, on continue. 32, 21 et 47. Ah bon, on a le 21, j'ai découvert le gain, donc c'est 2 euros, tac, 22. 12, ah, il y avait encore mon 12 là. 32, tac, 2 euros de plus, peut-être un full. 39, ça faudrait 47, on aura fait un full, une full carte. 44, ah, j'y ai cru, hein, franchement, j'y ai cru. Et 41. Donc on a le 21 et le 32, donc 2 euros et 2 euros, ça fait 4. Tac, je vais essayer de pas spoiler les gains, parce que merde, faut que je fasse ça propre, hein. Allez, on joue avec les numéros 29, 27, 29, 7 et 23, pardon. Tac. Eh ben, c'est gagnant. Hop, on a le 7, là. Tac, je vous spoil pas. 7, 48, 31, 28, 27, il fallait le 20, comment dire, le 29 et le 23, et dernière ligne, tac, le 32, le 16, le 1 et le 36, et c'est pas ce qu'il nous fallait. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a derrière le 7? Eh bien, on a 4 euros. Hop, on fera les totaux après, hein. Je regarde. Dites-moi si je me suis trompée, dans le doute. Je l'ai quand même bien gratté, voilà. Hop, on passe à notre pactole. 19, département de naissance, c'est le jour de naissance de ma fille, 19 juin. Le 9, mon mois, et le 17, c'est personne. Alors, 46, 1, non. Tu vas voir, ça va être les numéros. On a 25, 0, 9, ma date de naissance. Alors, j'arrête avec ça. Alors, 25, 29, 14. Et on a le 9. Et voilà, mon mois de naissance, il porte bonheur, hein. Et on avait encore le 12. Hein. Le 12, je ne dirais pas que c'est un chiffre fétiche, hein. Mais j'aime bien le 12. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le 9? Oh! Oh, ben là, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un 10 euros sur un pactole. Franchement, eh ben, c'est pas mal. Je pense que ça va faire une bonne moyenne. Mais bon, je pense, je sais pas combien on est là. Je pense que vous avez compté. Allez. 23 la Creuse, 47 et 6. Allez, 32, 35, non. 33, 26, 37, non plus. On ne peut pas gagner à tous les coups, hein. Oh, bah j'ai gagné. 23, la Creuse, 19 et le 49.
Hop, bah dis donc, hein, c'est pactole. Je les aime pas, mais bon. Ça gagne, hein, ça gagne. Allez, on découvre ce qu'il y a sur le 23. 2 euros pour 23 la creuse. Hop. Allez. Prochain pactole. Donc 8, 5, 13. Ah bon, là, je vais perdre parce qu'il y a le numéro 13. Ça, c'est sûr et certain. 14, 42. 38, 49, 5. Et 24, 9, 41, 44. C'est perdu. Tac. Et il nous reste 3 tickets. Hop. Ça va être un petit peu long, hein. Alors, 25, 27, 44. Hop. Hop. Ah, ça va vite, hein. J'ai un peu l'habitude, là, maintenant. Hein. 15, 47, 43. Alors, attendez. 43, non. Il nous fallait le 27, 25, 44. Et non, c'est perdu. Hop, avant-dernier ticket. Bah, faut bien perdre un petit peu. On a trop gagné, là. 24, 19. Ah, 19. En département de naissance, vous le savez maintenant. Et le jour de ma fille. Alors, 15, 30. Non. 18, 16, 36. Non. Et non. 6, 19, 29, pardon. 27 et 13, il y avait le 13. Et dernier ticket, tac. On a le 13, le 8 et le 35. Aïe, 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 ce fameux 13, moi je l'aime pas ce chiffre-là. 33, 7, 12, 15, 23 la creuse. Moi j'aime bien dire ça. 14, 34, 32 et 21. Et c'est perdu pour ce dernier ticket. Tac, alors on en est à combien là? On a déjà un petit 10 qui fait du bien. Bon, ça m'étonnerait qu'on rattrape la session, comment dire, d'il y a 15 jours. Donc, 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Et on a fait 2 euros. Ah non, 20. Là, j'en avais 2, non. Non, j'en avais qu'un. Et 22. On a fait 2 euros de bénéf. Oh, c'est déjà pas mal, 2 euros de bénéf. Vaut mieux ça que rien. Eh bien, voilà pour cette session. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu les 10. Là, moi, je crois, de mémoire, sur la chaîne, je ne les ai jamais eu les 10. Donc, ce sera un petit peu le record du pactole à battre, les 10 euros. Donc, voilà. Donc, pour ce mois de mai, ben, écoutez, on est un mois bredouille, hein, finalement, puisqu'on a fait 30, on a fait 22 euros là. Donc, on a eu 2 euros de bénéfice pour cette session. Donc, sur les 40 balles du mois... Ça reste une bredouille, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans 15 jours, donc déjà au mois de juin, pour une nouvelle session. Allez, je vous fais de gros bisous. Salut !